question, je veux d'abord féliciter l'équipe pour sa victoire. C'était pas évident. Un match comme ça, avec un tournoi qui s'annonce difficile, on le sait. Toutes les équipes se sont renforcées, du moins. Et on a vu une bonne équipe de Santa Fe ce soir. Il ne faut pas sous-estimer l'équipe aujourd'hui ce soir. C'est une équipe agressive, qui a marqué les premiers à 3 points, qui est très, au niveau des pénétrations, nous a posé beaucoup de problèmes. Et une équipe qui était très offensive aussi au niveau du rebond. Donc il y a une mobilité qui nous a posé beaucoup de problèmes au niveau défense. Notre défense, pour revenir à votre question, on a joué main-to-main tout le temps, essayer d'user autant que possible physiquement. C'est vrai qu'à un moment donné, on n'a pas pu resserrer les liens au niveau de la défense et ils ont pu marquer des points facilement au niveau des pénétrations. Sous le repli défensif, c'est aussi approximatif. Ils ont eu beaucoup de tirs sur la transition offensive. Donc il faut qu'on travaille encore notre repli défensif et repérer. Parce qu'on a vu que cette équipe-là a des très bons joueurs, aussi bien au niveau des tirs à 3 points qu'au niveau des pénétrations et au niveau des jeux intérieurs. Donc je pense que c'est pas facile. L'équipe a montré qu'elle a eu du caractère quand même pour gagner ce match-là. On a marqué beaucoup de points en resserrant plus ou moins notre défense en deuxième mi-temps pour courir, parce qu'on sait courir. Et on l'a montré, on a gagné des ballons pour jouer les jeux rapides. Mais je pense encore une fois qu'on peut améliorer beaucoup plus notre défense, parce qu'après un mi-temps, on a perdu beaucoup de ballons. On a perdu beaucoup de ballons qui ont permis à l'adversaire de marquer des manières faciles, sur des précipitations. Il faut qu'on arrive à asseoir notre jeu quand on n'a pas le jeu rapide. Les gars jouent vite, mais sur le jeu posé, il faut qu'on arrive à être beaucoup plus patient, à faire circuler le ballon, à partager le ballon. Et je pense que là, on aura des plus sorties faciles. Je pense qu'il ne faut, pas être trop négatif par rapport à l'équipe. Ce soir, c'est une belle victoire contre une belle bonne équipe de RCR. C'est une belle victoire sur le plan mental parce que ça permet aussi de prendre conscience de nos possibilités. On sait que ça va être difficile. On est préparé par rapport à ça. On savait aussi qu'aujourd'hui, compte tenu des changements qu'il y a au niveau de l'adversaire, nous aussi on a des changements. Au niveau de l'automatisme, ça peut arriver qu'il y ait de temps en temps des ratés. On n'est pas parfait, on ne dit pas ça. Mais l'équipe a eu vraiment du caractère pour gagner ce match. Je retiens la victoire, je retiens le mental qu'ils ont eu, je retiens le caractère qu'ils ont affiché en deuxième mi-temps, que ce n'était pas évident. Parce qu'à chaque fois qu'on a lâché, on a vu que l'équipe, ça l'a fait revenir, mener au score, il fallait revenir à nouveau. Il faut qu'on arrive à faire ces yo-yo-là et à contrôler le match d'une façon défensive au niveau le plus constant. On a eu cette défaite à Maputo contre une bonne équipe de Côte d'Ivoire. Je pense que mentalement, on le sait ça. Et demain, il va falloir qu'on soit très très fort dans nos têtes. Et chez nous, il faut qu'on soit encore plus agressif sur le plan défensif. Il faut qu'on gagne les duels. Il y aura beaucoup de duels demain. C'est un match qui sera tout seul difficile, encore une fois, mais il faut que l'équipe soit préparée pour être encore plus agressive par rapport à ce que je viens de dire au niveau des manquements sur le plan du jeu, notamment sur le repli défensif. Mais je pense que bon, le match de Maputo, on l'a perdu, on le regarde devant nous, on a deux matchs à jouer. On s'était préparé pour jouer contre ces trois équipes-là en disant on prend match par match. RCA, c'est pas facile. Côte d'Ivoire, ça ne sera pas facile non plus. Et il y aura des sursauts. En ce moment, toutes les équipes cherchent des points pour revenir. Donc je sais que ça va être un match difficile et je pense que l'équipe sera au rendez-vous. Des joueurs qui, on l'a vu ce soir, l'enthousiasme qu'il y a eu sur le banc, mais les contrôler, les joueurs se sont bien soutenus, ont bien joué le coup pour donner le ballon aux joueurs qu'il fallait par rapport au tir. Et je pense que c'est ce point-là, on a eu un bon collectif. On a changé beaucoup sur le plan de l'attaque. Vous avez vu les changements qu'on a fait. Même Malay, il ne l'a pas dit, mais il a joué 3, il a joué 4, ce que vous n'avez pas vu. Donc ça nous a permis aussi, de par son expérience, au niveau des tirs, des drives de RAL, à avoir des positions de tir. Donc je pense que, bon, c'est, comme je dis, c'est une victoire collective. On savoure bien ce soir et demain, il faut qu'on remette tous sur le terrain encore une fois.